Salut chers réseaux, comment ça va? J'espère que la journée du lundi commence bien pour toi et que tu vas bien pouvoir profiter de ce jour et de cette belle semaine qui nous attend. Donc en plus, c'est l'été, il fait beau, donc c'est le moment de vraiment prendre le temps de revenir à l'essentiel si tu as l'impression que les choses dérapent. Si tu as l'impression que tu perds un peu le contrôle, c'est le moment de faire le point pour revenir à l'essentiel. Ce matin, je me suis levé vers 5h45 et puis j'ai pris le temps dans mon temps de méditation, mon temps de réflexion et de mon temps aussi pour planifier ma semaine. Parce que moi, je planifie ma semaine généralement le dimanche soir ou si je ne l'ai pas fait le dimanche soir, je vais le faire le lundi matin très tôt. Donc, j'ai pris le temps pour planifier ma semaine et en faisant mes réflexions du matin, en faisant ma méditation du matin, et je me suis rendu compte qu'il faut que tous les jours que je me pose la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Parce que j'ai toujours voulu, donc j'ai pris cette décision il y a quelques années maintenant, de toujours aller à l'essentiel, à des choses simples dans ma vie, des choses simples pour mon business et des choses qui vont vraiment à m'amener des résultats de haut impact parce que j'ai pour une mission, c'est d'aider les gens à développer leur leadership, rentrer dans leur destinée, réaliser leur grand rêve. Alors, leur grand rêve, c'est quoi? Ton grand rêve, c'est tout ce qui te porte. Ton grand rêve est issu de ta mission de vie. Ton grand rêve est issu de ta passion, de ton histoire personnelle, de beaucoup de choses vont te donner cette envie de créer, de réaliser ce rêve que tu as. Et ton grand rêve est issu aussi de ton identité. Donc, si on parle de mission, c'est égal aussi à ton identité, c'est égal aussi à ta vocation. Donc, notre grand rêve a toujours un sens profond de quelque chose qu'on veut réaliser ou de quelque chose qu'on est né pour réaliser dans ce monde. Et que ce soit professionnel, personnel ou dans les affaires, c'est quelque chose qui te porte depuis que tu es né et que tu as envie de réaliser. Alors, parfois on a peur, parfois le regard des autres nous fait tourner sur l'autoroute où on était, on prend la sortie et on va sur un autre chemin. Parfois, on va mettre du temps pour se rendre compte qu'on est sur le mauvais chemin et qu'il faut faire demi-tour. Alors, mais il est encore possible de pouvoir faire demi-tour et aller vers la route à laquelle tu es appelé. Et je me suis dit, ben waouh, mais cette semaine, de quoi tu auras fait ma semaine? Et j'ai toujours, je donne chaque semaine, je donne un terme à ma semaine. Ça me permet d'avoir une ligne conductrice et aussi d'avoir de pouvoir apporter plus d'impact dans ma vie. C'est-à-dire que je vais dire que cette semaine, je vais être dans une semaine de gratitude. Donc, je vais être toute la semaine penser à ça, lire des livres qui parlent de ça, lire la Bible, parce que moi je lis la Bible, c'est mon livre de référence en premier parmi tous les autres livres. Donc je vais prendre vraiment le temps pour revenir à l'essentiel. Et cette semaine, c'est la même chose. Cette semaine, je me suis rendu compte que ce qui est important pour moi, c'est de revenir à l'essentiel. C'est toujours revenir à l'essentiel. C'est de me recentrer. Et je me suis dit, ben, à quoi je dois me recentrer? Je dois me recentrer sur le point de vue personnel. Je dois me recentrer sur le point de vue professionnel. Je dois me recentrer sur le point de vue des affaires. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, bon, finalement, c'est pas parce que je me suis perdu où je me suis égaré en chemin, non, pas du tout, mais au contraire, je me suis dit, mais alors, si je me recentre, si je prends le temps de revoir mes priorités, je prends le temps de revoir mes stratégies, de revoir tout ça, je serai beaucoup plus efficace et cette semaine sera plus radieuse et ce sera une très très belle semaine, une bonne semaine. Alors, pour te recentrer, il y a des dispositions à prendre, des dispositions à prendre qui soient de l'ordre de ta mission de vie. Ta mission de vie, ce n'est pas seulement personnelle. Ta mission de vie est dans tout ce qui est professionnel, dans tout ce qui est affaires, dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est... En fait,